为建设、富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。 Dans le long fleuve de l'histoire, il y a toujours des chapitres particulièrement resplendissants, comme le sont les étoiles. Le Grand Palais du Peuple a été le témoin de nombreux moments importants dans l'histoire de la République populaire de Chine. En octobre 2017, le Parti communiste chinois a inauguré son 19e congrès national. Beijing a attiré l'attention du monde. Une déclaration retentissante a alors indiqué la position historique du développement de la Chine comme un monument montrant l'avenir en plein essor de la nation chinoise. Depuis le 18e congrès national du PCC, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère est une ère de réalisation des rêves, une ère des travailleurs. Autour du comité central du Parti communiste chinois, ayant comme noyau le camarade Xi Jinping, nous devons mener un grand combat, construire de grands projets, promouvoir la grande cause, réaliser de grands rêves. La nation chinoise a effectué des bons prodigieux, lui permettant de se mettre debout, d'atteindre un niveau de vie relativement aisé et de se rendre désormais puissante. Le 29 novembre. Durant la journée, l'avenue Chang'an est ensoleillée et beaucoup de touristes se trouvent sur la place Tiananmen. À 10 heures, plusieurs minibus sont entrés lentement dans le musée national. Deux semaines seulement après la clôture du 18e congrès national du PCC, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, et les membres du comité permanent du bureau politique se sont rendus dans la salle d'exposition intitulée « Sur la voie du renouveau ».因为这个梦想啊，它是凝聚和寄托了几代中国人的夙愿，它体现了中华民族和中国人民的整体利益，它是每一个中华儿女啊的一种共同的期待。 Le rêve chinois a rallumé la flamme intérieure de près de 1,4 milliard de Chinois d'aujourd'hui et a incarné le meilleur des vœux des Chinois.
Institut des relations internationales, Moscou. En mars 2013, Xi Jinping, en tant que président de la Chine, a effectué sa première visite à l'étranger et y a prononcé un discours racontant au monde le rêve chinois. La réalisation de ce rêve chinois est une nécessité dans le déroulé de l'histoire. Face à une situation marquée par d'énormes bouleversements depuis un siècle, jamais connus auparavant dans le monde, face au changement profond de l'économie du pays entré dans une nouvelle normalité, le camarade Xi Jinping, noyau du comité central du Parti communiste chinois, avec lequel il dirige le paquebot Chine avec un cap bien défini, permet d'entamer un nouveau voyage vers la réalisation du rêve de renouveau de la nation chinoise. Lorsqu'on regarde l'histoire, la nation chinoise qui a, durant de longues années, avec des résultats remarquables, apporté sa contribution à l'humanité, mérite d'être aujourd'hui une grande nation du monde. Depuis les temps anciens, la Chine a souffert agressions et destructions, a connu les épreuves et les ténèbres. Pour la Chine moderne, réaliser le grand renouveau de la nation chinoise, c'est l'objectif que le peuple chinois poursuit obstinément. Le mouvement de l'Empire céleste de la paix éternelle, le mouvement réformiste de 1898, la révolte des boxeurs, la révolution de 1911. Dans le pays, d'innombrables personnes de bonne volonté n'ont cessé de se battre pour trouver le moyen de sauver le pays et le peuple. Généreuses et acharnées, elles ont pourtant été malheureuses. L'histoire a finalement choisi le Parti communiste chinois. Sous la direction du parti, après 28 ans de batailles sanglantes, le peuple chinois est parvenu à l'indépendance nationale et à sa libération. Un long chemin vers le renouveau, un rêve chinois de 100 ans. Après le 18e congrès national du parti, au moment critique pour la réalisation du renouveau national, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, a avancé clairement le rêve chinois, ce qui a marqué un nouveau point de départ pour la lutte continue du peuple chinois et la réalisation du grand rêve. Le 24 septembre 2015, dans le village de Liangjiahe, dans le district de Yanchuan du Shanxi, a été organisée une réunion urgente. Le district a envoyé au village de Liangjiahe une vidéo du discours du président Xi. Il y avait une longue distance entre ce petit village et l'autre rive de l'océan. Mais à ce moment précis, les villageois se sont sentis très proches du cœur du secrétaire général. Du rêve de permettre aux villageois de manger de la viande à leur repas, au rêve de réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère nous a éclairé des pistes concrètes pour réaliser le rêve chinois.
Faire progresser de façon planifiée l'édification sur les plans économiques, politiques, culturels, sociaux et écologiques. Promouvoir de façon coordonnée l'édification intégrale de la société de moyenne aisance. L'approfondissement intégral de la réforme, la promotion intégrale de la gouvernance de l'État conformément à la loi et l'application intégrale d'une discipline rigoureuse dans les rangs du parti. Mettre en œuvre sans relâche le concept de développement innovant, coordonné, vert, ouvert et partagé. Rester fidèle au concept de développement centré sur le peuple, permettant aux Chinois de se sentir davantage satisfaits, plus heureux et plus en sécurité. Réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise demande un travail acharné. Ici se trouve la base de l'industrie énergétique et chimique de Nindong dans le nord-ouest de la Chine. Les ouvriers chinois sont ici pour réaliser un rêve. Transformer le charbon en pétrole pour briser le monopole étranger dans la technologie clé de liquéfaction du charbon. Dans l'après-midi du 19 juillet 2016, alors que le projet de liquéfaction du charbon était entré dans sa phase la plus critique, un invité spécial est venu sur le chantier. Fin 2016, après 39 mois d'efforts de la part de dizaines de milliers de personnes, le processus de liquéfaction du charbon a été enfin achevé. Le charbon, enfoui sous terre depuis des dizaines de millions d'années, est devenu un produit pétrolier de qualité, une source d'énergie liquide. Le travail acharné de plusieurs générations d'ouvriers dans le domaine du charbon a fait de leur rêve une réalité. Pour réaliser le rêve chinois, nous devons suivre une voie proprement chinoise. La pratique réussie du peuple chinois a montré au monde qu'il n'y a pas qu'une seule route vers la modernisation. Il faut trouver la bonne voie, celle qui correspond à la réalité chinoise. En avril 2014, Xi Jinping a raconté l'histoire de cette voie à la chinoise aux professeurs et aux étudiants dans le Collège d'Europe, qui est considéré comme le berceau des élites politiques en Europe. Les Chinois ont eu du mal à trouver une voie qui corresponde à la situation chinoise. La monarchie constitutionnelle, la restauration de la monarchie, le système parlementaire, le système multipartite, le système présidentiel, les Chinois les ont étudiés et essayés, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Finalement, la Chine a choisi la voie socialiste. Après la réforme et l'ouverture sous la direction de Deng Xiaoping, nous avons élaboré un socialisme à la chinoise, en partant de la situation nationale et des exigences de l'époque. Avancer fermement dans la voie du socialisme à la chinoise est la seule voie possible pour aboutir au renouveau du pays et réaliser le rêve chinois. Cette voie est issue de l'héritage de la civilisation de la nation chinoise, vieille de 5000 ans. Elle est le fruit d'une profonde synthèse du développement de la nation chinoise depuis plus de 170 ans au cours de l'époque moderne. C'est le fruit de 70 ans d'exploration continue de la Chine nouvelle et c'est le fruit de plus de 40 ans de pratiques de réforme et d'ouverture. Emprunter la voie du socialisme à la chinoise a mobilisé l'enthousiasme de centaines de millions de personnes. À pas sûrs et fermes, on va loin. Les rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, le plus grand radiotélescope sphérique au monde, FAST, regarde le ciel et écoute les sons des profondeurs de l'univers.
le dispositif supraconducteur Soleil artificiel place la recherche chinoise sur la fusion nucléaire par confinement magnétique au premier rang mondial. Le système chinois de navigation par satellite, Baidou numéro 3, a envoyé avec succès 8 satellites de navigation sur une orbite prédéterminée en 4 mois et la fréquence de lancement a stupéfié le monde. La réalité a prouvé que cette voie chinoise est praticable et qu'elle est la bonne. Réaliser le rêve chinois va faire rayonner l'esprit chinois. Avec un rêve, nous avons la direction à suivre. Avec l'esprit, nous avons donné des ailes au rêve pour qu'il devienne réalité. En 2009, Huang Danyan, un scientifique chinois de renommée mondiale dans le domaine de la physique aérospatiale, qui avait travaillé à l'étranger pendant 18 ans, a abandonné la meilleure équipe de coopération étrangère, a abandonné les conditions matérielles dont il bénéficiait et est rentré au pays. À cette époque, le niveau mondial le plus avancé dans le domaine de l'exploitation minière permettait d'atteindre des profondeurs de 2500 à 4000 mètres, tandis que la Chine parvenait à peine à des profondeurs de 500 mètres. Dès le premier jour de son retour au pays, Huang Danyan se jette dans le travail à corps perdu, en travaillant comme un rotor en mouvement à grande vitesse. Il fait en une journée ce que les autres font en 3 jours. Sur le mur de son bureau, son calendrier est noirci de projets pour toute l'année. Il n'y a pas un jour où il ne fait pas des heures supplémentaires. L'équipe, dirigée par Huang Danyan, a réalisé en 5 ans ce que les pays développés avaient fait en 20 ans. De nombreux indicateurs techniques ont atteint le plus haut niveau mondial. Il aurait pu continuer à avancer avec son équipe, mais il est mort à son poste de travail. De la découverte du cancer des voies biliaires dont il souffrait, à sa mort, il ne s'est déroulé que 30 jours et il est décédé à l'âge de 58 ans. L'émergence d'un pays, d'une nation, a besoin de soutien spirituel. Bien que Huang Danyan nous ait quittés, son dévouement reflète l'esprit de notre nation centré autour du patriotisme et l'esprit de notre temps axé autour de la réforme et de l'innovation. Son esprit est immortel. C'est l'esprit chinois. Cet esprit aide la nation à se relever des désastres encore et encore et à aller de l'avant en dépit de revers répétés. C'est l'esprit chinois. Durant la poursuite de son rêve, l'esprit chinois bouillonne. Le grand projet du rêve chinois sera magnifique. Pour faire du rêve chinois une réalité, il nous faut rassembler les forces de la Chine. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les grains de sable font la tour. En Chine, chacun poursuit le rêve, chaque unité a son équipe de rêve. Ce n'est que lorsque le pouvoir de transformer le rêve en réalité se manifeste que le rêve peut se réaliser. Zhao Bin a 22 ans. Il est cette année le plus jeune député à l'Assemblée populaire nationale. À l'âge de 16 ans, Zhao Bin travaillait sur les chantiers de construction. Au fond de son cœur, Zhao Bin a toujours un rêve qui ne l'a jamais quitté, celui de devenir un excellent maçon. Il pelletait du sable et transportait des briques. Pour bien construire un mur, Zhao Bin a fait de nombreuses tentatives sans jamais abandonner. Lorsqu'il voit un travail bien fait, il n'hésite pas à demander les astuces.
Lors des Olympiades des métiers en 2015, Zhao Bin a surpassé les meilleurs maçons des 5 continents en remportant la plus haute des récompenses mondiales et en réalisant le rêve de sa vie. L'histoire de Zhao Bin n'est qu'une histoire parmi toutes celles qu'ont vécues bien des Chinois ordinaires. Grâce à leurs efforts incessants, le pays connaît la prospérité et réalise le renouveau national. C'est ce qui est enraciné dans le sang de la nation. C'est une force endogène. C'est la force de la Chine qui lutte sans cesse. À l'occasion de la période des voyages au moment de la fête du printemps en 2014, la télévision centrale de Chine a lancé dans les gares de Xi'an, Guangzhou et Shenyang une animation sur le thème « Parlez de vous à la fête du printemps ». Dans ses propos, il y a de la gratitude, des pensées, mais ce qu'on trouve le plus, c'est de l'espoir et du rêve pour l'avenir. Le rêve chinois, c'est le rêve de la nation, c'est le rêve du pays, c'est le rêve de tout un peuple. En ville, à la campagne, L'aspiration du peuple à une vie meilleure et le désir d'avoir la chance de s'épanouir dans la vie sont les éléments les plus importants du rêve chinois. Dans cette nouvelle ère, la principale contradiction de notre société réside entre l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure et le développement déséquilibré et insuffisant du pays. L'amélioration de la qualité de vie en ce qui concerne la nourriture, l'habillement, les conditions de logement et les moyens de transport, un salaire meilleur, un système de sécurité sociale plus stable, l'amélioration de l'environnement, le rêve d'une famille riche, un bon métier, une vie heureuse, tous ces rêves sont des rêves ordinaires et joyeux. Ce sont ces rêves concrets et particuliers qui se rejoignent et qui finissent par devenir le grand rêve chinois. Le 8 août 2008 ont eu lieu à Beijing les 29e Jeux Olympiques d'été. Les feux d'artifice ont illuminé le ciel nocturne de Beijing. À ce moment précis, les attentes du peuple chinois à propos des Jeux Olympiques sont devenues réalité. 6 ans plus tard, en août 2014, les deuxièmes Jeux Olympiques de la jeunesse d'été se sont tenus encore une fois en Chine, à Nanjing. Poursuivre le rêve, construire le rêve, réaliser le rêve, la cérémonie d'ouverture sur ces 3 thèmes était magnifique. Le 31 juillet 2015, la 128e session plénière du Comité international olympique s'est tenue à Kuala Lumpur. Les 85 membres du Comité international olympique ont voté pour déterminer quelle sera la ville organisatrice des 24e Jeux olympiques d'hiver en 2022. Beijing. Beijing sera la première ville au monde à avoir accueilli les Jeux olympiques d'été et d'hiver. La Chine deviendra le premier pays au monde qui a organisé non seulement les JO d'été et d'hiver, mais aussi les JO de la jeunesse.
Une grande nation avec 5000 ans de civilisation et de progrès vers la modernisation est confiante et ferme sur la voie de la prospérité nationale et du bonheur du peuple. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, après 70 ans de lutte continue, le grand renouveau de la nation chinoise indique un avenir prometteur. Ce qui était impossible devient progressivement possible. Les uns après les autres, de nouveaux miracles sont nés des luttes. Tous les Chinois qui sont nés et qui ont grandi à la belle époque de la Chine ont eu la chance d'être témoins de ces réalisations fantastiques et de ces changements historiques. Sous l'impulsion de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, la planification globale en cinq axes a été approfondie et la disposition stratégique des quatre intégralités s'est progressivement élargie. Les quatre coins du pays affichent une splendeur éblouissante. Aujourd'hui, nous sommes plus près de l'objectif du grand renouveau de la nation chinoise qu'à aucune autre période de notre histoire. Et nous sommes plus confiants et capables d'atteindre cet objectif qu'à aucun autre moment.